Le micro et donc la parole, et si possible même de vous lever pour qu'on puisse bien vous voir. Ce sera tout à l'heure. L'autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'avant la projection, j'avais dit que la production du film avait décidé de vous apporter des petites surprises que vous allez avoir en sortant de la salle tout à l'heure. Alors je vous dis ce que c'est que cette surprise. Il s'agit de petites fortunes cookies, des fortunes cookies exactement comme dans le film. Maintenant et pas après, c'est tout simplement parce que les fameux Fortune Cookies qui vont vous être distribués proviennent de la fabrique dans laquelle a été tourné le film. Il y a vraiment... Voilà pour tout à l'heure, mais en tout cas maintenant, c'est les questions et les réponses à Babak Jalali. Certains plans ressemblent à de très belles photographies, une impression qui est renforcée par le noir et blanc et le travail sur le cadrage. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre collaboration avec la directrice de la photographie, Laura Valadeo? Pourquoi avoir choisi de tourner ce film en noir et blanc? Some of the shots look like beautiful photographs, an impression that is reinforced by the superb black and white and the work on framing. Maybe you can talk to us a little bit about how did you work with the DP, Laura Valadeo? Yes, Laura Valadeo, who our wonderful DOP, she's originally from Fremont, but lives in New York now. And then when we made the decision to shoot it in black and white, when we wrote the film originally, we didn't imagine it in color. It was very later, just before pre-production, that we said that it would look better in black and white. And the reason for that is nothing intellectual. It was just, I really felt in my gut it would look prettier in black and white. Tell me if I'm talking too much. A lot of the references me and Laura were sharing were medium format photography, and that lent itself to this kind of aspect ratio. And it also helps, with isolating the character within the frame, so solely focused on her and nothing else that is going on in the background. Tout d'abord, en fait, je voudrais commencer par dire que la directrice de la photographie, Laura Valadeo, elle est absolument merveilleuse et elle vient elle-même de Fremont. Elle est de Fremont elle-même. Dès le départ, en fait, très rapidement dans l'élaboration du film, on s'est dit que ce serait pas mal de le faire en noir et blanc. Mais au moment où j'ai écrit le film, à l'époque du scénario, je ne pensais pas au noir et blanc, je pensais à un film entre guillemets classique, c'est-à-dire en couleur. Cette envie de le faire en noir et blanc, en tout cas cette envie où on s'est dit, je me suis dit à un moment donné que ce serait plus beau en noir et blanc, quand on était à deux doigts de commencer le tournage. C'est là que je me suis dit que ça rendrait mieux en noir et blanc. Et nous dit-il, il n'y a pas de grande réflexion philosophique derrière, non, c'est juste que c'était une envie que j'ai senti quelque part que ce serait plus beau, et en tout cas que l'histoire serait mieux servie avec du noir et blanc. Et puis c'était également une autre inspiration que j'ai eue, c'est la photographie de moyen format. La photographie de moyen format, donc avec des appareils photo qui produisent des négatifs carrés, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'était également une source d'inspiration qui a donné donc naissance à ce film, que vous avez pu constater, pas en large cinémascope, mais avec un format très resserré, un format presque 4 tiers, un format qui rappelle également l'isolement du personnage principal, parce que c'est vrai que quand on la voit à l'écran, bien souvent, il n'y a pas beaucoup d'espace à droite et à gauche, elle est comme enfermée dans ce lieu, dans sa situation, etc., etc. C'est toutes ces raisons qui ont fait que le film ressemble à ce à quoi il ressemble aujourd'hui. Alors justement, on parle des influences. Quelles ont été vos influences pour le film? Quels réalisateurs ont pu être des sources d'inspiration pour l'aspect, pour l'ambiance de Fremont? We were talking about your influences. Which directors, and at this time we talk about cinematic film influences, which directors, which films could have been your influences for the aspect on the overall ambiance of Fremont? Well,
I mean, I for anything I do, my I guess my number one, just based on the body of work that he has done, is Aki Kaurismäki. Just from when I wanted to become a filmmaker, he's a director that I've really, I get just his whole way of the mixture of melancholy and, melancholy and humor is something that has always appealed to me. Early Jim Jarmusch films, I've also admired films of Roy Anderson, but above all, the one person that I thank him at the end of every film I make, even though he died a long time ago and he only made two films in my hometown in northern Iran, is Sohrab Shahid Salas. If you haven't seen his films, they're available illegally on YouTube, but it doesn't matter, that's the only way you can see it, so just go see it. Yeah, so that's all. Alors en ce qui concerne les influences qui ont pu être les miennes, il y a un réalisateur auquel je pense et que je cite très souvent, c'est Aki Kaurismäki. Vous le savez, nous avons projeté son dernier film hier ou avant-hier, ici même à Deauville. Aki Kaurismäki est vraiment le réalisateur, le Guy Babak Jalali, qui m'a donné envie d'être réalisateur moi-même. C'est un réalisateur qui parvient toujours à trouver le juste équilibre entre la mélancolie et l'humour. Ses films sont drôles et en même temps, on ne peut pas s'empêcher de voir la tristesse sous-jacente. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu et que j'ai voulu faire également retranscrire dans mon film. Et puis d'autres sources d'influence, par exemple les premiers films de Jim Jarmusch ont pu également me servir d'inspiration. Et également, alors là je suis désolé, je n'ai pas I couldn't remember the name, but, mais il cite également un réalisateur iranien qui est mort il y a déjà longtemps et qui n'a réalisé que deux films que l'on peut trouver en cherchant un petit peu sur YouTube ici et là, et qui est Sohrab Shahid Salas. Ok. Vous m'avez compris. Voilà. I'll wear his t-shirt next time. So. Ah ben voilà. Comme ça sera très bien. Il portera le nom sur un t-shirt. Et voilà les sources d'inspiration auxquelles il pense, notamment pour son film. Alors Fremont, j'ai recherché un petit peu. C'est une ville américaine. Où résident et travaillent vraiment beaucoup de citoyens afghans qui ont aidé l'armée américaine sur place à l'époque des Américains et qui ont dû fuir leur pays d'origine quand les troupes américaines sont parties. Comment est-ce que vous avez entendu parler vous-même de ce lieu? Fremont is actually an American town where many Afghan citizens are living and working. They did help the American army while they were there, and they had to fly away when Taliban came back. How did you hear about that city yourself? Even before the Taliban returned, I think 2021, former translators were in danger in Afghanistan, so they had to leave. Of course, with the return of Taliban, it became even more of a danger for them. I made my second feature film in the San Francisco area about 9 years ago, and up to that point, I'd never heard about the city of Fremont. I didn't know it existed. But we had, in that film, we also had Afghan actors, and they told me there's a place called Fremont right next door to San Francisco, and it's home to the biggest Afghan population in North America. So I am an Iranian. Us and a lot of the Afghan population share language, and I've always had a strong affinity with Afghan people. There's been an Afghan element in almost all the films I've made. So I went to Fremont just to try Afghan food over there, and I found out about the presence of former translators who had been resettled there. And then I read articles about it as well, and the issue was many former translators don't do this out of a moral reason. It's a job. It's a paycheck in a place, in a country, where paychecks or jobs are scarce. And they were able to speak another language and they became translators. And it was also a way out. So they were granted special immigration visas to leave the country.
And so, but once they made it to America, the situation was quite unpleasant. You know, they were kind of left alone and abandoned. And with Carolina Cavalli, the co-writer of the film, we decided to tell the story of a former translator. But even though most of the ones we met were men, we also knew there were Afghan women who did this. And in general, one thing that bothered me often was the presentation of Afghan women in media or in cinema was always focusing solely on the oppression they faced. But you know, I've known many Afghan women growing up in Iran or since I left Iran. That there are a lot of Afghan women who are very independent, very powerful. They have dreams, they have aspirations. So we wanted to show another, let's say, facet of an Afghan woman. Alors en fait, avant, faut savoir qu'avant 2021, les citoyens afghans qui apportaient leur aide aux troupes américaines étaient déjà en danger. Mais c'est vrai que depuis l'arrivée des talibans en 2021, le danger est devenu, là pour le coup, vraiment une question de vie ou mort pour beaucoup, beaucoup d'entre eux. Et il y a énormément d'Afghans qui sont venus aux États-Unis. Et il faut savoir qu'à l'époque où Babak Jalali faisait son deuxième film, il y a 9 ans, c'était aux alentours de San Francisco, eh bien, avant ce moment-là, donc, il n'avait jamais entendu parler de Fremont, de ces histoires d'Afghans qui revenaient, etc. Il n'en avait pas entendu parler. Mais il avait travaillé pour son deuxième film, il avait travaillé avec des acteurs afghans qui lui en ont parlé, qui lui ont parlé de cette ville et qui lui ont parlé donc de cette. C'est la plus grande communauté d'Afghans aux États-Unis, donc à Fremont, à côté de San Francisco. Et puis alors au départ, eh ben, lui, il faut savoir que Babak Jalali, il a toujours ressenti une affinité avec le peuple, avec la culture, avec la langue afghane, parce que la langue iranienne, la langue afghane, la culture iranienne, la langue et la culture afghane ont beaucoup en commun, et il s'en est toujours senti un peu proche. Au départ, il est allé à Fremont une fois juste pour essayer la nourriture afghane, il est parti là-bas, et puis il a discuté avec les gens sur place, il a donc appris tout ce qui se passait, surtout avec la communauté des traducteurs. Il faut savoir que les traducteurs, en fait, afghans, entre afghans-américains, donc en Afghanistan, au moment où les Américains étaient là-bas, ils ne faisaient pas ça par vocation, par patriotisme, ou que sais-je, non. Ils faisaient ça tout simplement pour avoir un salaire. Et les Américains payaient régulièrement, c'est un vrai salaire, ce qui n'est pas toujours évident à trouver là-bas, encore moins aujourd'hui, mais déjà à l'époque. Et puis aussi, travailler pour l'armée américaine sur place, c'était évidemment dangereux, mais c'était aussi la promesse, quelque part, qu'on pourrait, à la fin, sortir du pays, partir et tenter une vie ailleurs, en l'occurrence en Amérique. Alors tout ça, c'est bien joli, mais bien évidemment, comme il nous le rappelle, une fois que tous ces Afghans qui ont donc aidé l'armée sont arrivés aux États-Unis, eh bien la réalité était loin d'être rose, parce que, comme vous avez pu le voir, c'était pas drôle, ils se sont sentis, parce qu'ils étaient tout simplement un peu mis de côté, seuls, abandonnés, et l'histoire est née de ça. Et il nous dit également que bien souvent, lorsqu'on lit des choses comme ça sur donc les Afghans qui aident les Américains, eh bien, la plupart du temps, ce sont des hommes dont on parle, des traducteurs, et pas des traductrices, mais il y en a beaucoup. Et il nous dit que très souvent, dans les histoires où on voit des femmes afghanes, eh bien, c'est toujours traité, pas misérabiliste, mais c'est toujours victimisé, c'est-à-dire toujours sous le point de vue de l'oppression qui existe, évidemment. Mais c'est pas ce point de vue-là qui l'a intéressé, lui. Il a voulu, au contraire, dresser le portrait d'une Afghane forte, d'une Afghane qui est différente, qui prend son destin en main, et voilà, apporter un éclairage un peu différent sur ces groupes de personnes. Alors, une autre question, il y a certains passages qui sont si naturels, qui semblent presque improvisés, et je voulais savoir, est-ce que c'était le cas? Est-ce qu'il y a eu un peu d'improvisation, ou est-ce que tous les dialogues étaient écrits et respectés à la virgule près? When you watch the film, it's so natural that sometimes it feels like improvisation. Did you make some improvisation, or was everything scripted to the letter, to the Quran? To be honest, usually on my other films, there's been a lot of improvisation. This one, actually, we stuck a lot to the script. There are some moments where it is improvised, but overall, we really stayed loyal to the script. Il nous dit qu'il a eu recours à l'improvisation souvent dans ses films précédents, mais que sur ce film-là, eh ben non, justement, le film est très, très proche
de ce qui avait été écrit dès le départ, même s'il y a quelques scènes improvisées, globalement, c'est quand même très très proche de ce qu'il avait écrit. Je prends encore une question et après je vais prendre des questions dans la salle. Je voulais parler de la comédienne principale, Anaïta Walizada. En fait, c'était une journaliste très connue, enfin bien connue en Afghanistan, et je voulais savoir comment est-ce qu'elle s'est retrouvée sur ce film. The lead actress, Anaïta Walizada, she's a well-known journalist in Afghanistan, so how did she arrive on this film? So when we were casting the film, we did an open casting call on social media through Afghan community centers in America, and we got some feedback from different young ladies who were Afghan from all around the country, and I video called with them from Nebraska, Oklahoma, California, Florida, Illinois. Most of the ones I spoke to were second generation Afghans, so their parents were from Afghanistan, but they were born and raised in America. And it was getting a bit scary because we hadn't found the right person. And then Anaïta Walizada, she wrote me an email saying, "Hello, my name is Anaïta, I'm 22. 5 months ago, I left Afghanistan on one of those evacuation flights when the Taliban returned. I've never acted. My English is not great, but I'm interested." So I got on a video call with her, and the moment I saw her, she seemed perfect because of the way she presented herself and her own personal story, which was not too dissimilar to the character of Donya. Anaïta was not a former translator, but she had left Afghanistan, left 6 siblings and a mother behind, and at the age of 22 was resettled in the state of Maryland in America and was starting her life again. She had she had just started out in journalism. I wouldn't say she was a very experienced journalist, so that's which I think makes this even more of an achievement for her, because she had done nothing like this before, where you show up on set and there's 50 people behind the camera and in a language which is not your own, predominantly. But we're very lucky to have her. But she knew the camera, at least she knew how to have a lens right in your face, right? I think if you're a journalist, nothing against journalists. If you're a journalist in film and TV, of course it's television, maybe you're standing behind or you're outside the cinema. Yeah. But behind the camera, if you're acting, exactly. There's every 5 minutes, 50 people are looking at you, like waiting on every decision or answer or what action that you do. And for her, again, as a 22-year-old, in a language which was alien to her, essentially, it was, huge. Au départ, j'ai organisé un casting, nous avons organisé un casting, et c'était ce qu'on appelle donc un open call, c'est-à-dire presque, encore une fois, comme une petite annonce, voilà, pour avoir des personnes qui demandent à participer au casting, qui viennent de tout le territoire. Et donc, il a été sur les réseaux sociaux, sur des communautés de réseaux sociaux, des communautés afghanes, mais sur le territoire américain. Et il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont voulu lui parler, donc il a fait des rencontres avec Zoom, j'imagine, sur Internet, pour discuter comme ça en vidéo avec beaucoup de jeunes femmes. Mais à chaque fois, en fait, ce qui se passait, le problème qui se passait, c'est que les personnes avec qui il parlait, eh bien, étaient des Afghanes de deuxième génération, c'est-à-dire que leurs parents, bien souvent d'ailleurs, vivaient encore en Afghanistan, mais elles, ses filles, eh bien, elles étaient nées en Amérique. Donc c'était pas exactement ce qu'il cherchait, et en fait ça devenait même un peu stressant, parce que la date du tournage arrivait, il avait toujours pas trouvé sa comédienne. Et puis il a reçu un email de Anaïta, qui lui a dit, voilà, donc je m'appelle Anaïta, j'ai 22 ans, j'ai quitté l'Afghanistan il y a 5 mois, et j'ai jamais joué, mais ça m'intéresse. Et effectivement, elle avait jamais joué de rôle de fiction, et son anglais était loin d'être parfait, mais il s'est dit, bon, on va discuter en vidéo, puis on va voir comment ça se passe. Et dès qu'il a vu s'afficher sur l'écran de son ordinateur le visage d'Anaïta et qu'il a commencé à parler avec elle, il s'est rendu compte que ce serait vraiment parfait de la voir, elle, parce que sa propre expérience, sa propre histoire, même si ce n'est évidemment pas exactement la même que celle de son personnage, elle était très proche.
Alors, il faut savoir que donc elle est arrivée aux États-Unis en 2022, qu'elle s'est installée au Maryland, mais que donc pas au même endroit, mais son expérience, elle pouvait vraiment se servir de tout son vécu pour nourrir le personnage qu'elle a interprété à l'écran. Et d'ailleurs, elle a été vraiment très très douée, même si c'était quasiment sa première fois, parce que même en étant journaliste, encore une fois, on en a un peu discuté, ce n'est pas du tout la même expérience. Journaliste en Afghanistan, comédien aux États-Unis, ça reste deux mondes différents, même si on a un peu l'habitude de la caméra et tout ça, c'était différent, mais c'est vraiment bien débrouillé, et c'est ce qui a donné lieu à la performance que vous avez vue tout à l'heure. Nous allons maintenant prendre des questions dans la salle. Donc si vous voulez... Alors voilà, ben voilà, madame ici,